Ken Shalom Aleichem, on se trouve dans le deuxième Kitsun Shulchan Aruch, dans Siman Taf Mem Zayin, Taharobet Chametz VePessah. Qu'est-ce que vous avez dit, Taharobet Chametz VePessah? Il faut savoir, il y a des fois, il y a du mélange, du Hametz, Ken, dans du manger, dans des ingrédients. C'est connu que dans le café, par exemple, ou dans le kumun, le cumin, ils mettent de la farine. Ken, une petite goutte d'eau, c'est des Hametz. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, il nous dit le rab, « Yesh liknot motsorke mazon, betuchim bele pesach, ken, rak madam yere shamayim shinitan, yismoch al edutom, shahanot ofshera le pesach, et kigon kiyat garenim, mishkedim, mishkal kadome. » Il faut faire très attention de acheter du manger. Pendant Pesach, rien que d'un homme que lui, qu'il est yere shamayim, qu'il est shomer Torah, mitzvot, comme il faut, ken, comme ça tu pourrais compter sur lui, que lui te dit voilà, ça c'est Pekacher et Pessah. Je me rappelle, ça fait 20 ans en arrière, je suis rentré dans un magasin avec mon père Zahran Levacha. Il est rentré dans un magasin et il y avait les sacs par terre, tout cela, il y avait les pelles. Et voici que on voulait demander des noix, des amandes pour la charoset. Et quand j'ai vu le marchand, je lui ai dit bon, il était bien le marchand, il y avait une kippa sur la tête. C'est bien, le problème il est que il y a dans son magasin tous les paquets de Hametz, ils étaient au bout, au fond. Okay? Et c'était quelques jours avant Pessah, les gens ils mangeaient encore Hametz. C'est pas assou, il n'y a qu'un problème. Le problème il était que les pelles du Hametz, ils étaient encore dans les sacs là-bas au fond. Puisque maintenant ils étaient au fond dans les sacs, comme il y avait des gens qui se servaient seul, quand maintenant il n'y a plus de pelle pour prendre les aliments, ils sont partis au fond, ils ont pris la pelle du Hametz. Alors, sur la pelle du Hametz, il y a encore plein de Hametz dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent la pelle et puis ils se servent maintenant du manger qui est caché à l'épaisseur. Puisque maintenant, c'est presque impossible que seulement si maintenant, le marchand, lui, c'est lui qui gère tout. Il gère tout. Je veux dire, personne ne se sert. Mais le problème, il est, c'est pas comme ça. Dans les magasins, vous allez voir, ici en Israël, les marchands, okay, ils ont derrière le vendeur, et aussi, chacun peut prendre le blé, peut prendre le houmous grand, le houmous petit, prend des pois chiches, etc., etc. Chacun, il se sert. Puisque... En libre service. Voilà, comment? En libre service. Libre service. Alors, c'est un problème. Puisque c'est un problème, alors, d'acheter là-bas, c'est pas trop conseillé. Seulement, si maintenant, le bonhomme, lui, il te marque, c'est caché tout le magasin, tous les ustensiles qu'ils ont été avec le Hametz, ou tous les sacs qu'ils étaient avec le Hametz, On les met dans des endroits fermés, c'est-à-dire que personne peut, même qu'il se sert seul, le bonhomme, il peut se servir, mais c'est tout caché à le Pessah. Alors il n'y a aucun problème. Mais là, tu peux acheter avec. Mais c'est conseillé d'acheter tout fermé. Puisque dans l'usine là-bas, il y a la cacheroute. Si par exemple c'est cacheroute de Badatz, le badatstel, le badatstel, le badatstel. Mais là, le chômeur de la cachoute, il est présent. Puisqu'il est présent, les gens, quand ils vont acheter quelque chose qui est au moins avec une bonne hashgacha. Comme ça, il est tranquille pendant une semaine. Une semaine, il n'y a pas de issur hametz. Il nous dit, le rab afalpi shahametz oser bepesa bechol shehu, venom mitbatel bishishim mikol makom, im nitare hametz lifnei hapesach, שייך 60 כנגדו, אינו חוזר וניהור, בפסח לאסור במשהו, אלא כיוון שנתבטל מותר באכילה בתוך הפסח. איפה סבוע? Qu'est-ce que ça veut dire le mot חוזר וניהור? Traduction du mot חוזר וניהור, ça veut dire qu'il est חוזר, il revient et il se réveille. Ça veut dire. Il faut savoir, la majorité des issurim, ils sont annulés avec 60 fois. Il faut savoir, la majorité des cas, l'annulation, c'est des rabbanan, sauf que quelques cas que c'est des oraita, il faut 60 fois l'aliment. Il y a des cas.
Mais l'annulation, en général, Chachamim, eux, ils ont compris qu'après 60 fois, le goût, il est plus là. Seulement, il y a des aliments comme par exemple le sel. Le sel, même après 60 fois, il y a le goût du sel. Alors, si c'était du sel qui était interdit, alors il ne s'annule pas, même 60 fois. Alors, José Avignon, qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant, avant Pessah, il y avait par exemple un grain de blé, il est tombé dans une marmite et il a éclaté, c'est-à-dire pas ka. Puisqu'il a éclaté, il devient hametz. Le blé en lui-même, il n'est pas hametz. Si maintenant quelqu'un qui a un paquet de blé chez lui à la maison et il le vend avec le hametz, ça c'est pas hametz. Hametz, c'est seulement si maintenant ça tombe de l'eau, il a gonflé. Et puisque maintenant il a gonflé, alors c'est hametz. Alors maintenant, si maintenant avant Pessah, Ken s'est tombé une graine de blé et elle a éclaté dans la marmite. Et maintenant tu ne le trouves plus. Et ces graines de blé maintenant, et il y a 60 fois du plat contre cette graine de blé, alors il est annulé. Ça s'appelle que ce blé-là, il est annulé. Et toute cette marmite, elle est moutérée, on parle parce que c'était avant Pessah. Maintenant, quand Pessah y rentre, cette marmite-là, tu peux la manger. Puisque maintenant, la veille de Pessah, elle a été annulée, alors tu pourras utiliser cette marmite et la manger. Mais par contre, les Ashkenaz, pour eux, c'est assour. Parce que eux, ils ont le din de Chozer Venior. Le issour, il revient dès le départ. Ça veut dire que lui, il est là devant toi, ce issour, et il ne peut pas s'annuler. Parce que pendant Pessah, d'après tout le monde, même d'après les Sépharades et les Ashkenaz, si maintenant tu as une graine de blé, elle est tombée dans une marmite, même qu'il y a 6000 fois plus ce grain de blé, même pour nous les séfarades, c'est toute cette marmite, elle est à soi. Même une graine, même une petite miette de pain, tu vois, hop, elle est tombée dans ce plat-là. Tout le plat, il est à soi pour les séfarades et pour les Ashkenazes. Tout le din de José Avignon, il est seulement si maintenant c'était avant Pessah. Donc pour les Ashkenaz, c'est assur, pour les séparats, c'est moutard. Et non, José Avignon, mais Pessah, les hommes machou. Et là, que même j'ai battel, puisqu'il est annulé avant Pessah, alors là, il est déjà annulé, et tu pourras le manger pendant Pessah. Pessah. Même si maintenant tu ne savais pas qu'il y avait une graine de blé qui est tombée, rien que pendant Pessah, il était déjà annulé avant Pessah, et maintenant pendant Pessah, on te dit, tu sais, il y avait une graine de blé, puisqu'elle était déjà avant Pessah, il s'est annulé, il n'y a aucun problème, tu pourras le manger pendant Pessah. Même si maintenant tu avais rien que 40 fois du Hametz. Et toi, tu as rajouté encore 20 fois. Ça veut dire combien? C'est 60 fois plus. Quand même. Et non, José Avignon, Pessah, les sorbes. Ça veut dire que toi, tu as annulé. Parce que sauf, il faut savoir que la veille de Pessah, quelques jours avant, c'était Eter Abala. Le Eter, il est tombé. C'était pas un sou. Jusqu'à la quatrième heure. Voilà, jusqu'à la quatrième heure. Après la quatrième heure, on s'est assou. C'est pour ça qu'ils ont conseillé, nous, les séparates, de cuire avant. Les virages ritim je n'afflue au lehem que shamim ou je n'afflue le maïm et tabou vechetim arbe yeshim kenegdam uta le tohanam et la fodam le matzah il venait à Pessah. C'est pour cela qu'il nous dit le rab. S'il y a du blé qui est tombé de la pluie dessus, où ils sont tombés, ce blé-là, il est tombé dans l'eau. Et maintenant, ce blé-là, maintenant, il y a par exemple 1 kg de blé, que ce blé-là, il est tombé dans l'eau. Ou par exemple, c'est un sac de blé qui est tombé dans l'eau. Et maintenant, il y a 60 sacs. Ok? 59. Non. 60. 60, 60 sacs. Oui, exactement. Ça veut dire que ce sac-là, maintenant, qui était mouillé, c'est Hametz. Il est tombé maintenant dans 60 sacs. Ils ne sont pas Hametz. Et c'était avant Pessah. Tu peux prendre tout ce blé-là et de le moudre tout de suite et de faire matza avec.
Et pour les séparades, ils ont pas le droit de rajouter un din en plus que c'est moutard. José ben Yoav parle pour les séparades, c'est moutard. Et là, il y a le autre qui est admiral sur la roue, qui est minag Yerushalayim. Ben metamo ben mamasho. Il faut savoir selon Maran de Shulchan Aruch aussi c'est mutar. Oula, im hametz haya davar ha'ma'amid metamo tam mishvach. Hametz levado haya davar ha'ma'amid et l'autre sirouf davar. Nosav yesh la'amir ve'lomar bo she'chozer ve'nimor. Le rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Si maintenant le hametz, par exemple, tu avais une sorte de gâteau, ce gâteau là maintenant, il y a du hametz. Le hametz ça maintenant, il est là ce hametz. Même qu'en général, tout ce gâteau, c'est des œufs. Et il y a 60 fois plus que le hametz que tu mets dedans. Sauf ce hametz là maintenant, okay, c'est quelque chose qui est chashuv. Ça veut dire que lui, il tient tout le gâteau. Sans ce hametz là maintenant, tous les œufs ils tombent. D'accord ? Il n'y a plus de gâteau. Puisqu'il y a plus, il y a ce hametz là maintenant, cette farine là, elle est d'avoir chashuv. C'est quelque chose que lui, il fait tenir le gâteau. Mais là, il n'est pas annulé, même qu'il y a 60 fois, okay, tous les œufs, 60 fois des œufs que le hametz que tu as dans les œufs, quand même il n'est pas annulé, même que c'est avant Pessah. C'est pour cela, il faut être marmir, nous dit le rab, excusez-moi, et Choser Vignor, il faut dire que oui, le Issour, il se réveille, et c'est Assour. ומכל שכן שיש להמיר יין שנעשה קודם בפסח מצמוקים שנשאו כמה ימים במים ובפסח מצאו בתוכם חיטים או שעורים שנתבקעו שאין כאן אלא טעם החמץ ולא ממשו וכיוון שהיה 60 כנגד החיטים ומדי שאינו חוזר מניעור לאזור בפסח והיין קשה אפילו אליו הכוסות של בליל פסח ינודי ורב מכל שכן פלפיות רזון איפה פרמט לבן כלפי אבן פסח דבק דרזן סק. Okay. Ça veut dire qu'ils ont mis des raisins secs dans cette bouteille-là, la veille de Pessah, par exemple 3 jours avant Pessah, et maintenant, tu prends cette bouteille. Sec, ouais. Comment ? Ce ne soit pas entièrement sec. Il faut que les raisins secs ne soient pas entièrement secs. Parce que sinon, si maintenant tu prends le raisin sec, et tu peux, avant que tu mets dans la bouteille, tu le presses et ça sort le jus, alors c'est bon, ce raisin sec-là maintenant, tu peux faire du vin avec. Il faut savoir faire du vin seulement si maintenant tu enlèves okay, les raisins secs. Tu ne peux pas faire bourrer après la gueule tant que maintenant les raisins secs ils sont dans la bouteille. Il faut que tu verses la bouteille avec sans raisins secs et là tu fais bourrer après la gueule. D'accord ? On lui dit le Rav, si maintenant dans ces bouteilles là maintenant, Pessah t'a trouvé okay, de l'orge ou tu as trouvé des graines de blé, qu'ils ont éclaté. Chez Enkan et la Tam et Hametz dans le macho. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans cette bouteille-là ? Il y a rien qu'un Ta'am. Ta'am, il y a le goût du blé. Il n'y a pas de blé mamache, parce que tu as enlevé le blé. Et puisque maintenant il y avait 60 fois du blé la veille de Pessah, il a été annulé. Le Choser Liot Asu be Pessah, le Choser Benior. Et le vin, il est kasher. Ken dans Pessah. Pendant Pessah, même pour les 4 verres. Et Ken Pat, Chenafla, le Yain, Venashra, Sham, Kamayami. Vesilku, Apat, Vesilenu, Kodem, Pessah, Vesanet, Tava, Ven, la Houche, Che, Istanenu, le Toro, Perurel, Perhamez, Mouta, Vestia, Pessah. Ainsi aussi, du pain qui est tombé dans du vin. Ken. Et il est resté maintenant. Ce morceau de pain, combien de jours dans ce hametz, dans cette bouteille de vin, par exemple des tonneaux de vin. Et maintenant, pendant la semaine, ils ont vu le pain, ils ont pris le pain, ils ont enlevé le pain et ils ont passé à la passoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de graines de pain. Alors tu vas me dire, le goût du pain il est là-bas. Quand même, il dit le rab, okay. Il faut pas besoin de penser qu'il y a des morceaux de pain qui sont tombés maintenant dans la passoire et c'est moutard de boire ce vin. Okay. Il faut savoir tout cela, il a fait cela avant Pessah, pas pendant Pessah. Parce que pendant Pessah, c'est assou. On verra maintenant plus loin
Le Rav va nous dire, il y a un problème avec de l'eau de Tibériade. De l'eau de Tibériade, okay, toute la Kinéret, il y en a qui ne boivent pas de ces eaux-là. Pourquoi? Parce que pendant Pessah, si c'était avant Pessah, ce n'était pas la question. Mais pendant Pessah, le problème il est qu'il y a des pêcheurs qui sont goy, qu'ils mettent maintenant leur pain dedans. Et puisqu'ils mettent leur pain dedans, alors, Bema chez vous, c'est tout Hametz. Tout le lac de Tibériade, il est assaut pour nous, de boire de l'eau. Et maintenant, quand toi, tu es connecté immédiatement pendant Pessah avec le lac de Tibériade, que l'eau elle arrive vers chez toi, tout ton eau il est assaut. Comment tu dois gérer cela? C'est pour cela, il y en a qui ce qu'ils font, okay? Il y a beaucoup de Jeshkanaz, la veille de Pessah, ils achètent un grand tonneau, d'au moins 5. 100 litres, je ne sais pas combien, un tonneau noir là. Pendant tous les Pessahs, ils utilisent de ce tonneau-là. Mais là, il y a encore un problème. Nous, on n'est pas rochés à tout cela. Nous, c'est Gouy conseillé de mettre un petit dans le sens qu'il a un filtre. Chez lui, à la maison, il y a encore un problème. Ce filtre-là, maintenant. Et nous, on n'est pas rochés à tout cela, d'après Rav Ovadia. Il nous dit le Rav Echen Shecha Seorim Bira. Si vous ramenez comme originaire, quand un Pessah, il machine maherim, et il chichim de Vatlo, ou tant les chotons de Pessah, et non, José Benio, ou Bézé, ou Chehout, à Robet Lach, Belach, Mouta, Gamlachren, ou Ashkenazi. On dit le Rav, ainsi aussi, si c'est une bière que c'est Hametz, la bière c'est Hametz, qu'il a été mélangé avant Pessah, avec d'autres sortes de boissons, et il y en a 60 fois plus que ce Hametz. C'est Mouta, par exemple, c'est un peu de bière. Il est tombé dans un tonneau de jus. Tout le jus, s'il y a 60 fois la bière, on parle de avant Pessah. Alors là, et non, José Venio, pendant Pessah, tu pourras le boire, okay, ce jus-là, parce qu'il est annulé avant Pessah. Et puisque ça s'appelle un mélange entre liquide et liquide, mais là, même pour les Ashkenaz, ça sera moutard, razak, bovaro.